Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui l'obtendez nous. C'est toujours avec un plaisir TV La Caille pour nous entrer La Caille, chaîne Grands Événements. Vous regardez l'obtendez sous TV La Caille. Et toute nouvelle qui a passé dans le pays d'Haïti, eh bien, nous même nous là pour nous faire, ou tendez et pour nous faire vivre qui ça a gagné sous scène politique dans le pays d'Haïti. Dossier assassinat de Maître Mofé Guilloval, André Michel nous connaît qui était écrit yon, sur WhatsApp dans le groupe eh bien, Avocat au Port-au-Prince. Côté, il était fâché contre décision, déclaration, Maître Doval te fait non, sur Radio Magique 9. Eh bien, côté André Michel, encore une fois, lui-même, lui prend la parole pour parler sur assassinat Maître Mofé Guilloval et avec question Petro-Caribé. André Michel, pas mettre de l'eau dans la bouche pour passer, prendre PHTK pouvoir en place là. Et président Jovenel Moïse, comme moun qui t'a impliqué dans l'assassinat de Maître Mofé Guilloval, c'est ça, Maître André Michel dit, il y a une diversion qui a fait, et une façon tout pour rapport Petro-Caribé pour question ça, il pas atteint à objectif. C'est déclaration Maître André Michel, côté le fait qu'on est, faut gagner une transition, et c'est dans une transition, tout rapport Petro-Caribé s'il a fait, et tout le monde qui t'a mangé l'argent pays, il vous parle remettre et après bas code déclaration André Michel pour plus de détails n'a pas vidéo vous suivre mais pas oublier la seule façon capable aider nous c'est vous abonner ou inviter des trois amis des trois familles puis rejoindre nous sur chaîne Grands Événements TV La Caille nous à faire regarder le attendre ensemble pas oublier inviter vous sur WhatsApp sur Facebook tout côté ou passer monde capable plus tendez inviter vous pour capable abonner avec TV La Caille parce que nous avons un seul plan pour nous porter toutes nouvelles cap dominer pays d'Haïti. Un grand merci à nous toutes, un grand merci à nous-mêmes qui toujours abonnés, qui toujours quittent des commentaires pour nous. Merci. La mémoire du professeur Ferguine Dorval. Donc on est dans les circonstances, professeur Dorval, du assassinat. Je salue encore une fois sa mémoire. Et du assassinat, à quelques mètres de la résidence de M. Jovenel Moïse, presque derrière le Jovenel là. Et mais ça me vient attirer l'attention dans son lit, c'est que un samedi, moins de 24 heures après l'assassinat de M. Dorval, Jovenel Moïse fait une conférence de presse. Et puis la fait bâtonnier à Paris. Un petit bâtonnier a dit, mais ça pour le faire, bon, c'est question. Bon, il a pas menti. Bâtonnier a dit, je cherche tellement. La fait bâtonnier a parlé. Alors, nous sentons des bonnes volontés pour faire une récupération politique de cadavres. Et malheureusement pour BHTK, malheureusement pour Palais National, enquête l'a avancé et les premiers éléments distribués un peu partout, montrer très clairement côté crime dans ce type. Premier élément, yo, premier signe, montrer très clairement qui côté assassinat dans ce type. Bah, je dis plus, pas pour ça, mais tout nous connaît que un chauffeur, Martin Moïse, il a arrêté comme exécutant. Et la DCPJ, droit, rester ferme et continuer à assumer ses responsabilités. Nous ne sommes jamais capables de tromper tout le monde tout le temps. Il est très facile pour essayer d'accuser le monde à droite à gauche, mais la vérité, c'est que M. Dorval a été assassiné, exécuté à quelques mètres de la résidence de Jovenel Moïse. La vérité, c'est que c'est presque derrière Kaelia qui a tué Badonier. Et la vérité, c'est que le premier élément qui a montré côté crime dans ce je dis à même journaliste, comment ça dit, bon, suspendre par l'empile, eh bien, crime ça, les senti PHTK. Tout le monde commence à dire, premier élément, montrer, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Bonjour, Mati Plus. Et nous avons fait une belle démonstration là, sous question Petro-Caribé. Et son bagage important de ce fait là. Parce que tout ce qu'il a fait dans le pays, hein? Volonté Jovenel pour qu'il y ait pouvoir. Mandal fini, il dit, il va braler. Il dit, les gens l'ont compté, Mandal. Mais il n'a pas compté comme ça pour le sénateur.
Libye qui est un sénateur qui était élu en 2015, qui était un mandat 6 ans. Mais elle a compté pour eux, le mandat a commencé en 2014. Alors que vous prêtez serment en 2016. Tant que vous la torture, Nedel Kassi. Je venais le mandat que ça a commencé depuis 2014. Mais vous prêtez serment en 2016. Il dit que ça a perdu 2 ans parce que l'élection a été faite en retard. Mais j'en compte pour vous. Mais la compte pour tête, il n'est pas d'accord, mandat par la commencer 7 février 2016. Ça veut dire, bonjour, quand tu es pour l'autre chose, les bon gens compte pour lui. C'est comme si le plus intelligent faisait notre tour. Eh bien, bâton que ma chaîne, ouais, c'est même bâton ça qui a ma chaîne. Là. 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est la constitution. Et le peuple n'a pas tant de temps ça pour renverser Jovenel. Tout ça qu'a fait là dans le pays. Là. Gang capture mon quartier populaire. Il a créé panique. Il a besoin de faire conseil électoral. Pour y aller faire élection, tout ça c'est Petro-Caribé. On est Petro-Roi dans la culture haïtienne. Petro-Roi son loyer. Bon, nous tous là, même si nous pas vos 2 ans, mais il faut nous connaître ça. Petro son loyer. Je venais le père diable ça. Et Petro a eu peur. Parce que, je connais, eh bien, il y a paraît devant la justice depuis qu'on passe au pouvoir. C'est parce que ce pouvoir qui fait qu'on paraît devant la justice. Le jour où on transition, il y a paraît devant la justice. Jovenel Moïse a paraît. Tout l'autre a paraît. Mais pour ne pas paraître, je voulais faire élection piquée collée. Monsieur voulait faire un conseil électoral avec 9 membres BHTK. 9 membres BHTK, le mettre dans le conseil électoral. Et faut la tuer mon tout côté, la faire mon peur. Tout ça, c'est Petro-Caribé. Il faut nous comprendre ça bien. Et pour ce Petro-Caribé, nous n'avons pas qu'à quitter personne mon crasé. Matière exercice, moi, je vais faire avec nous. C'est montrer population hein, qui ça 4 milliards 200 millions de dollars américains est capable de faire dans le pays. Moi, je vais faire population à travers micro, nous, à travers les télévisions, ouais, ensemble avec moi. Qui ça nous est capable de faire avec l'agent Petro-Caribé, qui c'est 4 milliards 200 millions de dollars américains? Qui qualité, quantité de travail nous est capable de faire? Comment le pays attaquer si on ne peut pas voler comme ça? Et ça fait moins 10 personnes qui volent l'agent Petro-Caribé, pour faire le pays en pile mal. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. Ils ont assassiné le pays, ils ont assassiné l'avenir petit, nous avons vivant. On fait exercice là. L'agent Petro-Caribé, d'après la Cour des comptes, c'est 4 milliards 200 millions de dollars américains. On nous dit université. Puis quoi université qui est dans le pays, là, c'est l'université Limonade. Il coûtait 50 millions de dollars américains. Et ça a coûté, il a fait pour nous. Si nous avons construit 10 universités dans chaque pays, il a coûté nous 500 millions de dollars américains. Et nous avons prêté 3 milliards 700 millions de dollars américains encore Petro-Caribé, le nous fin construit 10 universités dans chaque département. On nous prend stade qu'on a gardé dans pays la France, dans pays la Russie côté mon a joué pour tout le monde. Stade ça yo, eh bien, yo coûté 300 millions de dollars américains. Nous t'es capable de construire un gros stade comme ça. Un gros stade du standard international et nous t'a prêté 3 milliards 400 millions de dollars américains. On nous prend l'hôpital. Où est-ce que c'est la famille qui gagne l'argent? Depuis que tu fais mal, tu voyages. Tu es allé aux États-Unis, au Canada, tu es allé en France. Tu es allé en série de l'hôpital. C'est de l'hôpital, il y a l'hôpital du standard international. Gros l'hôpital. Côté de pour entrer là, ton joint. Tous ont besoin qui prend en considération toute pathologie. L'hôpital ça c'est 200 millions de dollars américains au côté. Ça veut dire qui ça? Dans Côte Petro-Caribé, nous tenons droit décider de construire 3 gros hôpital, un dans l'ouest, un dans grand nord, un dans grand sud. Il t'a coûté 600 millions de dollars américains et nous t'a prêté dans caisse nous 2 milliards 800 millions de dollars américains toujours. Nous t'a chargé l'argent. On nous prend route. Un kilomètre route coûte 1 million de dollars américains. C'est pris 1 kilomètre route. 1 million de dollars américains. Si nous avons décidé de construire 600 km route à 1 million de dollars américains, nous avons dépensé 600 millions de dollars américains pour nous construire 600 km.
même pour le faire nous vivre, pour le faire nous voir, qui ça 600 km pour représenter. Ou t'as fait route Jérémy Abricot, ou t'as fait route Jérémy Les Lois, ou t'as fait route Port-à-Piment-Tiburon, ou t'as fait route Ansavo-Baradère, ou t'as fait route Cafou 44 Côte de Fer, ou t'as fait route Marigot-Bellance, ou t'as fait route H Milo en passant par barrière Batan, ou t'as fait route Gonaïve Mol Saint-Nicolas, ou t'as fait route Port de Pêche en Rabel, ou t'as fait route Limbé en Safoleur, ou t'as fait route en Safoleur Port de Paix. Nous avons construit route dans tout le pays avec 600 millions de dollars, nous avons construit 600 km. Bon, voilà, si à tonne nous avons prêté l'argent en question toujours, parce que nous avons prêté 2 milliards 200 millions de dollars américains. On prend agriculture. Expert, on cap travaille dans le domaine de l'agriculture spécialiste, on dit pour travailler, on carotte ou besoin 3 millions de dollars américains. On carotte pour faire production nationale, planter du riz, planter patates, planter sauvlé. Nous avons pris 200 000 carottes à 3 000 carottes, nous avons travaillé pour 600 millions de dollars américains. Nous avons travaillé 200 000 carottes dans tout le pays. 200 000 carottes, c'est 4 fois l'île la Gonave. Nous avons planté du riz, planté banane, planté patate, planté ça nous voulons. Nous avons fait production nationale, production agricole. Nous avons dépensé 600 millions de dollars américains et nous avons prêté 1 milliard 600 millions de dollars américains dans le même toujours. On ouvre l'école. On lycée d'après BMPAD, il coûtait 500 millions de dollars américains. Calcul BMPAD fait. Nous prenons un calcul par yon. Si nous avons décidé de construire 100 lycées dans tout le pays, eh bien, nous avons coûté 50 millions de dollars américains. Et nous avons prêté toujours dans la caisse, nous, 1 milliard 550 millions de dollars américains. On nous prend un aéroport. La Chine te dit, aéroport nous, il y a pour faire pour nous, il y a pas un aéroport de standard international et l'a coûté nous 470 millions de dollars américains. Si nous avons décidé de construire deux gros aéroports internationaux, pour ça, ouais, c'est domaine dans notre pays, l'Oaléo, eh bien, deux gros aéroports, ça, il y dans l'Ouest, il y dans le Nord, ou il y dans l'Ouest, il y dans le Grand Sud, il a coûté 940 millions de dollars américains. Et nous avons prêté dans la question toujours 510 millions de dollars américains. Parc industriel Caracol là, il coûte l'État haïtien 241 millions de dollars. C'est le prix de ce parc industriel, le parc industriel de Caracol. 241 millions de dollars américains. Ça veut dire ça. Si nous avons décidé de construire deux autres parcs industriels, nous avons créé un travail dans le pays. Il y a dans l'Ouest ou dans le Sud, il a coûté nous 482 millions de dollars américains et nous avons prêté 128 millions de dollars américains toujours dans la question. 128 millions de dollars américains. Si nous avons dit nous décidé produire ce produit pour le pays, donc j'en ai eu la tortue à faire dans les organes. Si vous investissez 100 millions de dollars américains dans la production ce production pour nous avons produit ce, nous avons produit poule, nous n'avons jamais besoin d'acheter poule encore dans la République dominicaine. Nous avons 100 millions de dollars américains, nous avons 20 millions de garçons avec femmes dans le pays pour produire ce, produire poule. Nous n'avons jamais acheté ce encore, jamais acheté poule Saint-Domingue. 28 millions de dollars américains qui étaient là, si nous avons dit, nous avons investi, nous avons planté yam dans le pays, nous prenons le département de la Caraïbe dans le sud-est, nous prenons le département Nip dans la zone pleine Baradère, pleine Bakonoa. Nous allons dans la grande danse, nous investissons 28 millions de dollars américains dans la production yam, yam blanc, yam jaune, nous avons gagné yam pour tout haïtien manger, nous avons renforcé la production yam dans le pays. Alors, mes chers amis, avec 4 milliards 200 millions de dollars américains, attendez bien, nous sommes capables de construire dans le pays, il y a 10 universités, nous avons construit un stade football de standard international, nous avons construit 3 hôpitaux de référence, nous avons construit 600 km route, nous avons construit 200 000 carottes, alors nous avons fait production nationale, fait jardin dans 200 000 carottes, nous avons construit 100 lycées, nous avons construit 2 aéroports internationaux et nous avons construit 2 autres parcs industriels, nous avons produit ce produit pour tout le pays pour manger et nous avons gagné pour nous manger dans tout le pays. Merci un peu.